Tu avais raison. Des hommes de Marie Lévesque ont déchargé les bateaux et emporté le grain au palais du Luxembourg. Si le peuple croit que la famille royale accapare des réserves de grain en temps de famine... Ce sera l'émeute. C'est exactement ce que Germain souhaite. Je te laisse, Madame Lévesque. Je vais retrouver le grain volé et le faire sortir de là avant qu'on ne le découvre. Fais attention à toi. Ne te fais pas prendre. Au secours ! À l'aide ! À moi ! Donne-nous la poudre ! Qu'est-ce que nous allons faire, Michel ? Si seulement je pouvais mettre la main sur ce garde. Une très belle fête. Vous vous êtes surpassée, ma chère. Merci. Veuillez m'excuser, je dois aller retrouver mon mari. De la liberté. À nous. Rappelle-toi ce que je t'ai appris, Marie. Oui, maman. François-Thomas Germain, tu es banni au titre des crimes que tu as commis contre l'ordre des Templiers. Tout homme qui lui portera secours connaîtra le même sort. Pauvre fou, de voler me parle. Je connais ses pensées, de la serre. De la serre! Madame, un visiteur. J'ai besoin de ton aide, Marie. Vous aviez raison. Le roi Louis entretenait toutes sortes de relations répréhensibles. Il complotait contre la Révolution d'une main, tout en jurant soutenir la Constitution de l'autre. Bien. Vous saurez confier ces informations aux bonnes personnes, monsieur le Belletier. Bien entendu, grand maître. Grâce aux preuves réunies, la condamnation du roi est acquise. Garde ! Garde ! Détenez-la !
Peter. Laissez-moi. Que se passe-t-il? Garde! Mon Dieu! Là-bas! Ensemble. Il y a quelqu'un? J'ai passé un bon moment.